regardez pas, ça me perturbe après. T'inquiète. Ok, donc là aujourd'hui on est sur le site du sanatorium d'Incourt. Donc c'est un centre spécialisé, un centre de cure spécialisé dans le traitement de la tuberculose. Il a été construit dans les années 1930 parce qu'à l'époque il y avait une recrudescence de cas de tuberculeux et il y avait à peu près 10 000 morts par an. Donc il y a le préfet du département qui a décidé à ce moment-là de construire cet énorme bâtiment, un des plus importants du XXe siècle. Et donc là, on se trouve dans l'un des bâtiments qui est aujourd'hui abandonné. Tu prends l'ascenseur, ouais. Vas-y. Descends, rappelle. Ouais, mais il y a des escaliers. Je Le sanatorium, à un moment, il a été utilisé par les sapeurs-pompiers pour tester des feux. Et là, on peut voir, en fait, un peu partout, les plafonds brûlés et tout ça. Tout simplement pour tester les puissances des feux et tout ça, et on peut voir quand même que le bâtiment a quand même pas mal résisté, donc c'est un bâtiment assez mastoc. C'était la minute info de Léo. Ok. Ah, t'es zoomé là. Non. Non. Non, on est des cochards à côté. Ah, ça va, ça. Quel enfoiré. Non mais, mec, je te trouvais éblouissant. Tu rayonnes de lumière. Rien à raconter. Rémi, vous êtes l'expert du lieu. Ah, c'est ça, ou ouvrir. Attends, vas-y, on va. Non, mais non, on n'a pas le droit de détruire les trucs. C'est fermé. Non, Rémi, vous êtes l'expert du lieu. Je sais pas, j'ai pas testé. Ah, attends, il fallait. Je trouve ça bizarre aussi. J'aime bien quand il a. Ah, c'est la liste. Le sanatorium n'a pas été qu'un sanatorium, il a été aussi entre 1940 et 1942 un camp de concentration. Il a été réquisitionné pour être un camp de concentration et en fait il y a eu à peu près 1500 prisonniers qui se sont retrouvés enfermés ici et pour la plupart ils ont été tués et d'autres ont été déportés vers d'autres camps de concentration comme celui d'Auschwitz par exemple. Mais c'est la porte de l'enfer là. C'était la seule. C'était l'enfer. Que se passe-t-il ? Non, je cherche s'il n'y a pas un autre bâtiment à visiter, mais je sais pas où il est. Donc je regarde sur Maps. Là. Et oui. Tu trouves ? Non. Est-ce que c'est intéressant ? Je peux continuer longtemps là. Allons-y, let's go ! C'est parti, les amis.
Ah, j'avais pas vu la caméra, putain. Moi je l'ai pas me casser hein, comme premier. Puis là c'est Maxence, il a dit ouais putain faut absolument rester non, et tout. J'ai entendu de Léo. L'homme de talent. Non mais j'ai entendu et puis là, de Léo. Qui a pris son téléphone, qui a réagi dans la demi-seconde là comme ça, tel un vrai journaliste. Voilà, c'est le caméraman que vous ne voyez pas. Hello. C'est moi. Après, ce qui fait l'originalité de ce lieu, c'est que pas grand monde ne va plus loin que le premier bâtiment, quoi. Genre, donc on ouais, est peut-être un peu les premiers à découvrir le lieu, mais j'ai pas trop l'impression. C'est très lumineux par ici. Lumière s'il vous plaît. Est-ce qu'il tient bien justement de faire sans lumière? Ah ouais, c'est le challenge sans lumière pour pouvoir rencontrer les gens. Qui commence? Allez, le débrief. On passe au confessionnal. Bah, sinon, est-ce qu'on commence là-bas par un truc de Rémi déjà? Bah, c'était assez intéressant. Il y a deux bâtiments sur cette structure du sanatorium. Et bah, là, on est sur le deuxième. Bon, c'est assez intéressant. Bon, il n'y a pas non plus tout en bon état. Du coup, là, on a un deuxième bâtiment. C'est un peu le même. Du coup, c'est vrai que c'est sympa. La nature a plus repris ses droits. Enfin, ouais, on voit clairement même sur le toit, quoi. Il y a plein de verre de mur, il y a de la mousse, il y a tout. Dommage que ce soit vraiment des pièces se ressemblent toutes, parce qu'au final tu traverses l'étage et sans vraiment t'arrêter. Hein, ouais. Les pièces. Et, non, par contre le deuxième, à ma vie, le deuxième aurait été mieux à faire du coup que le premier, parce que là, ouais, du coup, déjà vu. Ouais, mais il est mieux conservé, aussi, il est moins cassé, il est plus calme, il y a moins de monde, il y a rien aux alentours, il n'y a rien, c'est des bois. Ouais. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai trouvé très impressionnant en fait par la taille en fait. Ouais, super grand. Ouais, c'est tout était immense. Super droit, très grand, très profond, enfin je sais pas. Vraiment con. C'est en noir et blanc. Non, tu dis t'as trouvé une faille temporelle. Ou... Ah, j'ai trouvé une faille temporelle. Ça fait petit, ça fait vraiment, ça fait bien.